On est bien sur un compte qui est bronze 3, 67 LP. Change, t'inquiète, je les connais par cœur. Ok, nice, super. Moi aussi. Ouais. Ok. Le level up. Attaque move click. Oh, désolé, je change pas mal de trucs. Bon, je peux te changer le R et Eyes Were Dead. Ah, mais ça a l'air d'être sur le même que. Target Champion Only. Hop. Ok. Je crois que c'est bon. C'est parti. Putain, il y a des longues queues. 4 minutes estimées en bronze. C'est peu peuplé, hein. Du ok, c'est quoi ces custom? C'est toi qui fais du testing? Ah ouais, mais ça théorycraft des builds et ça les sort direct en game. Vu l'heure, il n'y a personne qui joue, c'est vrai. 3h40, ça c'est vrai. Donc tu testes? Ah là, mais t'es vraiment un théorycrafter en fait. Ça va tester des builds, ça va inventer des trucs. Donc là, le Beat Silas, tu me le certifies, c'est toi qui l'a théorycraft, déjà. C'est très chaud si c'est ça. Moi, je n'ai pas cette inventivité. J'ai hâte de voir ce que ça pique, ce que ça banne. Le Beat Silas, c'est du fait maison. Bah écoute, chapeau l'artiste, hein. Voilà, c'est bien de se faire dive par une Nidalee. C'est mieux que une Elise. Elise, ça casse les couilles, mais j'aurais dû beaucoup plus respecter. Mais en vrai. J'étais tilté cette game. Oh, par exemple, Tema là aussi sur cette action où je vole le Nash. Tema, là je vise le jungler. Je flash auto en target champions only. Et là je clique sur Nash et en fait j'ai encore le target champions only. Et après ça va, j'arrive à penser à le désactiver à temps. Mais et on vole le Nash, mais j'avais failli in ça. Ok, what's next? Ok. C'était il y a pas longtemps ça. Let's go. On va voir les skins que j'ai. Alors. C'est où? Collection. Skin. En 2020, résistance sur Rick. Oh ça, t'as pas mal de skins quand même. Acquéri en 2021. J'allais me cacher de bailler, mais en vrai, c'est normal que je baille. Il est 3h44, ça fait 9h26 que je suis on air. Je pense que j'ai le droit de bailler quand même.
machin. Ok. Alors peut-être. Il y a pas mal de champions. Le clown, sa mère. Bah écoute, je vais pas te changer ta page. Je me permets de changer Darling. Ok. Oui, j'ai cru comprendre que c'était les runes Shaco. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir? Déjà, je suis curieux de voir un peu l'équipe. Je te cache pas, j'étais pas dubitatif, mais j'étais en mode, ok, ça va être marrant en bronze, mais je m'amuse bien quand même en roquette machin. Mais là, je suis très hypé d'être dans la game. Voyons voir. Alors, on a Upsir, ouais, bronze 4, bronze 2, bronze 3, bronze 3, donc c'est un vrai compte bronze, y a pas de, tu m'as pas arnaqué, quoi. S21 silver, bronze, bronze, bronze. Ok, ça m'est très bien. Ça m'est très très bien. Je compte quoi, un Shogat top? Est-ce qu'il y a un petit skin sur Trinda qui traîne? Ah, c'est du vrai de vrai bronze. Nice. Pour l'instant, rien de choquant. Rien de choquant. Ouais, Vex Mid. Quoique, j'en ai beaucoup moins vu des Vex Mid récemment. Je sais pas si l'on nerf. Et un premier doute sur les pics en face. Genre qui joue où? Bah tu peux pas trop te fier au ban et tout. Parce qu'en vrai là ça peut être Diana jungle ou mid. Xin top ou jungle, ou Shogat jungle top et mid. Qui est support? Qui fait quoi? Bon, je ne sais pas. Je vais sep un coup et comme ça je suis dans des parfaites dispositions parce que je pense à game on va la faire durer un peu. J'arrive. Ok, de retour pour cette game. Oh là, je suis dé. Oh la map. Elle prend tout l'écran. Ok, on va la mettre comme ça. Et c'est une Akali top. Oh, même le shop, je trouve immense. Ah, ça, il faut que je change. Hotkeys.
Quick cast all. Ok, c'est bon. Akalitop, bon, c'est un champion qui est censé être fort contre un Damer. On va voir comment ça se passe. Pour l'instant, il y a deux mecs qui sont à la base. Les creeps vont spawn, il y a deux mecs. Ok, Xayah, c'est bon. Warwick, c'est bon. Nice. Est-ce qu'il y a un monde où Akali juste elle m'attend en plein milieu de la lane? Je sais pas, on va l'attendre ici. En général, je me rappelle à l'époque où je jouais. Où je jouais à cet elo. Quoi? Ça se fightait toujours au niveau 1. Ok. Elle a touché ses Q-spell pour l'instant. Merde. Ouais, elle farm. La Diana Iron 2, le show unranked de Xenosie, la hache aussi. Ok. Ah, j'ai cancel un crit sur elle. Elle avait raté le canon? Ah non, c'est bon. Vas-y, on va attendre Warwick. Warwick la sent. Ouais, non. Ok. Pour l'instant, rien d'ultra choquant dans cet Akali. Ouais, ça commence. En vrai, elle avait pas son shroud. Elle avait pas son invisibilité. Ah, par contre, t'as vraiment le curseur en tout petit. Et je trouve ça pas désagréable. La musique s'est coupée. J'aime bien la musique. Je vais remettre après. En vrai, je pourrais avoir le curseur en tout petit comme ça. J'ai l'impression d'être plus fort au jeu. Putain, ça fait tout vite son musique. Ok, attends, je peux peut-être changer maintenant. Hop, hop. Hop, hop, hop. Ok, on va juste farmer ça tranquillement. Bon, l'équipe, toute équipe gagne. Ça m'arrange pas. T'aimais pas du tout les gros curseurs, du coup t'as changé. En vrai, moi je me suis jamais posé la question de la taille de mon curseur. C'est pas la taille qui compte, hein, comme on dit. Mais là, maintenant que j'ai ça, j'ai l'impression que je peux... Que je suis plus précis. Je vais te piquer ta tête de curseur. Ah, là, c'est la fin. Enfin pour Akali. Pa-la-pa-pa.
En vrai, elle est pas très forte, tu vois, mais il n'y a pas de quoi se moquer. Je pensais vraiment que j'allais assister à de la pure merde. Alors oui, c'est pas ouf ce qu'elle fait, hein. Mais en fait, je remarque trop de petits détails. Attends, attends. Rocky King coming again. Oh, you're still up. I'm up till at least noon tomorrow. Ok. Bon bah là on est plutôt bien dans notre game. Oh, t'as pas le bac sur B? Comment bac? Comment bac? Pourquoi je peux pas bac? Clic molette? Comment on change? J'ai jamais vu quelqu'un changer son bac. Téléporte homme. Ah ouais. Du coup là j'ai 3300 gold sur la lane. Si elle prend pas son niveau 6 ça tue. Baisser les pings! Ah ouais! Alors ça pour le coup, je me suis fait l'idée récemment que les settings c'était individuel et que tout le monde jouait différemment en fonction de ses habitudes. Elle va appuyer? Non, quand même pas. Mais là, changer le bac sur B, j'ai jamais vu ça, j'ai jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce qui se passe si juste je clique dessus et que je ghost? Ah, ça c'est un peu dommage de pas mettre. Mais Warwick! Il est mort de qui? J'ai même pas vu de qui il est mort. Il y a quelqu'un encore là, non? De qui il est mort, Warwick? J'ai rien compris au move. Mais bon. Je suis en 6-0 et j'ai 4900 gold et je peux appuyer sur B et baquet. Vraiment. Du coup, j'ai pas qu'un 6-0 avec 5 agrales, c'est n'importe quoi. Trinda, don't you need items. Oh là là, c'est nimp. Mais là, la pauvre Akali. Ouais. Ouais, ok, pas mal. Alors, point farm à 10 minutes. 52, 77, 46. Non, mais c'est un smurf là, c'est pas possible. Franchement, le bronze, ça a changé. Hein. Moi, à l'époque, je regardais les bronzettes. Les bronzettes avec Chapelle Derriat. Enfin, non, c'était même pas à l'époque. Je les ai regardées en replay plus tard. Et honnêtement, ça faisait pas des trucs comme ça. Hein. C'était à coup de 20 CS, à coup de
De pics totalement random. Après, tant mieux hein, si niveau général augmente. Ok, Akali récupère un kill, ça m'est bien. Denicer quelques creeps. Non. Ah non. Ah j'ai cru que c'était mon pire ennemi lui là. Est-ce qu'il y a un red buff? Oui. À moi. Salut toi. Aïe aïe aïe. On me serre les kills. J'étais en train de regarder le chat. Et puis je vois un Xe niveau 7 sur moi. J'ai eu le raid. Là quand c'est pas moi qui joue sur le compte des teams gay Nixam. T'as ce problème en bronze en vrai. Après en vrai jouer support en bronze, c'est extrêmement couillu quand même. Mettre ta lane dans les mains d'un ADC bronze, c'est vraiment couillu. Je veux pas prendre l'inhib. Et même je veux pas trop insister. En vrai le truc c'est que j'ai un full item qui m'attend à la base. Je pourrais tenter de les 1v4. Mais... Tu prends Nexus à personne adepte, c'est vrai que la Ashe et la Kali sont partis mid. C'est-à-dire que là potentiellement j'aurais pu genre prendre Inhib au moins T1 et avant qu'ils arrivent. Parce que toi t'as l'air de me dire ça d'expérience. Ok. Donc, je crois que les plus grosses différences, parce qu'en termes de micro, je pense. Les mecs, il y a tellement de contenu maintenant sur LoL, des explications, des guides sur tous les champions, des streamers sur tous les champions, etc. Les mecs ont l'air de commencer à avoir les bases quand même. Bon, il y a 26 CS au mid en face. Mais après, je pense que Vex peut être un smurf. Quand même. Mais je sais pas, en dehors de ça... Ça a l'air d'aller, tu vois. Mais ça doit être macro-way, ça doit être dégueulasse par contre. Alors, voyons voir. Oh! Ok, ça m'est bien. Ça va être un bac un item. Hein. Ouais, je vais acheter le Phantom Dancer. La macro, c'est le pire, mais en général, ils connaissent leur champ. Ouais, franchement, par rapport à avant, en tout cas, je suis positivement surpris. Alors peut-être que ça se cache en Iron, mais non, les vraiment
le fond du gouffre. C'est plus en bronze. Mais ouais. Bon, après, ça reste. Leur top, il y a 176 à 40. Bon, c'est vrai qu'en face, quand même, le farm général. C'est vrai qu'on est à 16 minutes et que ça a pas dépassé 76. Mais après, ils sont très derrière, tu vois. Ils ont peut-être tous mental boom et ils peuvent plus trop jouer. Non, en vrai c'est chaud quand même. La Vex V485 avec 40% de rate, c'est pas un smurf. Ah ouais. Ah ouais, mais du coup, de la Diana, c'est chaud là. C'est chaud pour la Diana là. Qui s'est du coup légit pris 100 CS et. Après, c'est bien, ils se battent hein. Ok, marrant cette première excursion en bronze. C'est vrai que j'ai pas fait attention aux runes. Diana électrocute calibre. C'est vrai qu'il y avait quand même un Xin Dark Harvest. C'est vrai. Ouais. Ok, bah écoute, je me suis bien amusé. Je peux en faire une autre? J'en fais une autre?